Premier sorti, journal mi-tan journée pour semaine ça, nous sous télévision nationale d'Haïti. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, il y a un changement dans l'administration palais national. Dans un arrêté présidentiel qui sortit dans la date 22 octobre 2018, il y a un journal officiel, le Moniteur, citoyen Jean-Hilbert Lebrun, nommé comme secrétaire général à la présidence. Il est remplacé dans le poste ça, Yves-Germain Joseph, et puis citoyen Arôme Dorville, nommé comme directeur cabinet président république là, il remplacé Wilson Lalo dans le poste ça. Mais Maritissa a rapporté nomination 18 conseillers. Sénateur Sidesla, Dieu Pichérubin, lancé un appel par collègue sénateur pour le travail semaine ça, non palman. Parlementaire qui réagit sous fonctionnement Sénat, qui pas fait séance depuis quelques temps, confirmé santé président Assemblée nationale, Joseph Lambert, pas en forme, mais il commence à rétablir. Gain convocation pour tout citoyen, pour tout sénateur lundi prochain, dans le cadre de réunion. En suivant extrait dans le micro TNH. Actuellement, dans le département sud-est, je invite tout le monde qui travaille dans la question des droits de l'homme pour descendre rapide dans le département sud-est, à regarder l'état prisonnier, combien de monde qui sont en détention, okay? Et qui n'ont pas apparaître devant la justice, parce que à cause de comportement commissaire gouvernement, Barreau Jacques Mel a suspendu le travail, ça a presque un mois. Bah, ou a suspendu le travail. Yo dit ou pas collaborer avec un commissaire comme ça, qui presque déréglé. Hein, dans ça que l'a fait, déraillé même, nous t'a dit. Et puis, peut-être, pas peut-être, cap supporté par des politiciens qui déréglé. Bah, ou a suspendu le travail. Tant qu'on paquet. Et là, ou suspendu le travail, yo écrit mini-justice là. Yo écrit gouvernement. Yo dit ou mes situations, ou pas qu'à collaborer avec un commissaire, yo décrit ça qu'a passé là. Personne moun pas fait cas de yo même. Jusqu'à ce que tribunal l'a fermé, parquet fermé, aucun avocat dit pas le plaider comme ça, non paquet côté gain un commissaire comme ça qui en place. Mais la justice là pas fait cas de moun sa yo. Nous demandé tout droit de l'homme descendre regarder pour nous dire est-ce que moun sa yo pas gain droit? Est-ce que yon moun peut-être pour protéger un l'autre, peut-être pour attitude amicale qui permettre que tout ton département a souffri et souffri sérieusement les yon barreau décider et que le pape continue à servir avec un avocat. Ce n'est pas une question politique, c'est une question sociale, c'est une question de justice liée. Et m'a demandé tout le monde qui concerne dans le cas ça, pour ne pas abandonner le monde qui a souffert dans la prison, Jacques Mel là, sous continuer le monde, mais pour presser, bail monde justice. On prend décision, département en considération, même le pape bon. Pour yon ou bien pour l'autre, mais pour plus grand nombre là, c'est la justice et la satisfaction. Politiciens ont toujours besoin de faire lutte politique. Yon a toujours fait. Mais lors ils vont côté ouè bagala, déraille, dégénérer, li dégénérer, faut bay population en justice li, que ou te ou entre ou patron, ou rentre ou d'accord, mais ou quitte moun yo joindre justice, parce que moun qui nan prison yo, yon besoin de justice. Député Boukankaréen, Jude Jean, exprimé préoccupation pour mauvais état route l'en trouver pour journée jeudi. Parlementaire a fait qu'on est lié important pour l'en fait parce qu'il joue un gros rôle dans le commerce pour Comindia. N'a pas sujet extrait. Vendredi 19 octobre 2018, commune Boukankaré levée et avec une situation qui est vraiment alarmante parce que route Boukankaré a quitté déjà une situation pitoyable, les coupé en deux et actuellement et pas gain aucune capacité pour que yon moun ki non voiture, yon moun ki non machine ou rentrer dans la ville Boukankaré. Chaque vendredi c'est jour marché, nous gain marché dans Domon et nous gain marché dans centre ville Boukankaré et machin aujourd'hui a pas arrivé dans centre ville là pour y aller vendre et moun qui sorti dans différentes sections communales qui viennent dans marché et qui viennent vendre des produits que ce soit des produits agricoles ou autres et des machines des marchands qui sortent par au prince ou bien ailleurs pour venir acheter produits donc moun yo pas ka liquider produits et gen des moun tout qui gen des produits de première nécessité c'est le marché a pour approvisionner donc yo pas ka joindre produits ça parce que route la li coupé en deux donc gen des démarches en tant que député qui
représenter circonscription que nous commençons à faire. Déjà, et nous t'es assuré nous que le gouvernement lui classé route ça en priorité parmi route que doit construire et dans le département du centre et le route là t'es commencé et le route là t'es commencé coupé. Donc nous t'es rencontré avec premier ministre là, nous t'es parlé avec président de la République là pour intensifier démarche pour construction route là commencer. Mais cependant par rapport à urgence là, nous déjà parler avec le ministre des Travaux publics, nous parler à toute autorité qui concerne eux pour que ils aillent plus vite. Donc nous voulons informer la population que nous ne sommes pas indifférents par rapport à la situation ça, parce que c'est route pas nous. Rencontre qui était prévue vendredi 19 octobre là entre commission intérieure chambre des députés ministre intérieur collectivité territoriale là pas trivé faite d'après président commission intérieure chambre des députés Deus Deonet député ont voulu discuter avec ministre là sous trafic visa qui t'a gagné dans ministère à comment gouvernement yo gérer faux question fonction entre Haïti et Saint-Domingue en suivre. Jeudi, nous avons gagné à 10h en séance ensemble avec le ministre intérieur sur le scandale que j'ai gagné dans le ministère intérieur sur la question visa et sur la question gestion frontière. Là. Mais c'est jusque hier à 3h que la Chambre des députés a reçu la correspondance qui dit que le ministre là, lui-même lui dit qu'il y a des bagages qui ont réglé et que il y a des rendez-vous qui sont placés bien avant rendez-vous, il doit honorer, il n'est pas capable de répondre à l'invitation de la commission intérieure. Demandé un report et il peut proposer une date et l'équité li à discrétion chambre député qui a testé disponibilité pour vous faire rencontre là. Premier secrétaire Sénat à sénateur Diopi Chérubin encourager gouvernement secret encourager gouvernement créer conditions pour permettre procès fonds Petro-Caribéa river réaliser parlementaire amender toute institution qui gagne rapport avec dossier ça travail pour gagne lumière qui fait dans quatre dossier ça yon extrait dans micro Fedner confident avec Fresnel tout ça. C'est pour l'État montrer peuple haïtien et ceci dans un délai qui n'a autant qui pas trop long. C'est pour toute institution qui concerne. Il y a un pile bagaille qui a fait qu'on y a dans 2 ou 3 semaines. Vous connaissez des monde qui indexé, vous connaissez des institutions qui indexé, vous capable tout de suite commencer à montrer que vous sérieux par rapport à dossier Petro-Caribéa et que peuple haïtien carré tonne. Moi t'a conseillé tout que vous fait yo encadré ou bien accompagné de certaines instances internationales qui ca rassurer population beaucoup plus et que justice la Petro-Caribéa la privé faite. Donc, je ne dois pas prendre position, même avec tout le monde, qui prend devant parce que je ne dois pas avoir même intérêt politique et puis je ne dois un peu moins démagogue. Parce que je dis, il y a un bagay que nous constatons dans la classe politique haïtienne, c'est l'aspect démagogique. Et aussi, un bagay qui étonne tout, c'est avec niveau audace que nous avons fait politique. Ça veut dire, nous n'avons pas peur du tout. C'est le plus gros voleur, mais si vous ne connaissez pas, ou bien parce que les font gens là pour ne pas répéter, dit c'est voleur, et puis pour l'autre, c'est lui qui a calonné comme voleur. Moi-même, niveau audace, ça, je ne dois pas avoir courage pour m'utiliser. Mais pas de personne qui n'a pas de position par rapport à Petro-Caribé. Et je ne pas dire en cachette, je dis de tous côtés, je dis sur radio. Mais pas un intérêt politique, peut-être m'a fait, on sait de bagarre même Jacques tout le monde. Et ça fait nous dire que, jeudi là, gouvernement a pour responsabilité, même leur propre petite yoté indexé dans Petro-Caribé, pour que vous voyez des signaux positifs et montrer la population rapidement. Et m'a répété encore, avant nous arriver dans la dernière semaine, pour 18 novembre, non, gouvernement, parlement, toute autorité gain pour responsabilité, pour yo assurer peuple haïtien et que pas justice pour le fait ou bien ap gain procès, non, mais gain processus ça qui en cours et yo remarqué, yo commencé travail sur lui. Plateforme nationale secteur populaire haïtien a encouragé administration Moïse à gouvernement CEAN pour renforcer la justice pour permettre procès Petro-Caribéa arriver organisé dans le pays. Président Planspa, professeur Dieudonné Lérisson, exigeait une enquête sans fausse côté pour dépenser l'argent comme Petro-Caribéa qui permettre population à joindre plus lumière pour utilisation de l'argent. Ça, nous avons un extrait dans le micro TNH. Secteur populaire campé derrière procès Petro-Caribéa. Dossier Petro-Caribéa, c'est dossier chaque grenadier.
dans le secteur populaire, nous demandons, faut que nous connaissions comment chaque dollar, chaque goutte, te dépensé dans l'argent Petro-Caribéa. Nous demandons président Jovenel Moïse, c'est majorité à qui te vote. Majorité a demandé justice. Mais majorité peuple là pas dans coup d'état. Nous demandons président Jovenel Moïse pour le voir un signal clair. Tout grand commis en dans l'état que nous avons cité dans le dossier Petro-Caribéa, il faut que vous révoquez sans perdre du temps. Secteur populaire haïtien, demandez révocation Mounsayo sans perdre du temps pour procès Petro-Caribéa capable de commencer d'une façon pour Petro-Coup d'État capable d'échouer. Gouvernement haïtien apparaît pour reconstruire une centaine d'écoles parmi les plusieurs qui ont écrasé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Lan. D'après le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre-Josué Ingénieur Cadet, ministère a déjà lancé appel d'offres pour série de travail construction. Il y a une série de travail qui pourra porter soulagement pour élèves qui pas apprendre dans conditions alors qu'ils apprennent dans conditions difficiles depuis quelque temps. D'après le ministre Cadet, on suit. Dans l'État, nous prenons toutes précautions. Donc, quelle que soit l'école qu'on construit là, parce qu'actuellement, là, nous avons plus de 100 écoles en construction. Là, dans l'Ouest, nous avons toutes les sites détruits dans le 12 janvier qui est construit là. Ils ont déjà lancé appel d'offres pour eux. Nous avons une liste des jeunes filles. Nous avons une liste qui fait là lui-même. Ils fait que mettre les directeurs. Nous avons une liste Caran qui fait construit. Nous avons lissé Daniel Fignolé là, appel d'offres déjà lancé depuis le 2 octobre qui se passe à la puis reconstruit. Donc toute liste qui est écrasée le 12 janvier, 8 ans après, l'administration, eh bien Moïse là, lui-même, lui prend en charge pour reconstruire. Et nous dit trois listes qui ont un problème, non, trois locales ça y est. Eh bien l'État qui est en fait gros et réflexion sur ça pour capable rapidement relocaliser. Yo. C'est pas là on bagaille vinn rivé pour nous dire si nous te connaît. Donc aujourd'hui nous avons l'État non seulement qui responsabilité mais qui fait tout en pile prévision et aujourd'hui à tout en dans ministère éducation nationale avec direction génie scolaire. Donc il y a des plans types, il y a des plans standards. Par exemple, regardez il y a quelques côtés, mon yo t'a pensé que l'école là t'a dû construire rapidement. Non. C'est ça que mettez nous dans ça nous aujourd'hui là. On pas construire l'école du matin au soir. Donc grand pile bagaille qui vous fait aujourd'hui pour nous construire l'école. Premier ça nous fait, là n'a pas construire l'école côté. Faut regarder, est-ce que terrain sont terrain qui pas de problème? Est-ce que nous faisons études topographiques, nous faisons études géotechniques? Un problème sérieux comme ça, l'État prend en charge parce que la nation demande des comptes. Et l'État lui-même, notamment le président Jovenel, la justice déjà saisit des questions ça. Mais je dis à là, nous voyons que vous faites le tourner au paquet de bagaille. Est-ce que c'est parce que vous avez compte pour justice ça, David, mais vraiment pour tout caribé, qui fait ouvrir des tunnels? Bon, bien entendu, des fois tout, il y a des gens qui ont pris les abats volés et ces volets qui ont dit abats volés. Donc, tu as pensé que les élèves sérieux manipulés? Il y a une manipulation des élèves. Et ce n'est pas aujourd'hui, en fait. Ce n'est pas une tradition même en Haïti. Côté, les gens voulaient servir avec les élèves de l'école pour régler les affaires par eux. Et ça, nous toujours condamné. Depuis avant que je suis ministre, je suis journaliste, je suis professeur, je suis écrit dans le journal, je suis condamné pratique ça. Nous, si les gens, parce que l'offre agit comme ça, ou violer la convention droit des gens. Parce que les grands pilons, c'est mineur. Gampin, c'est mineur. Donc, si les gens sont lui-même placés dans l'école, ils viennent apprendre. Et les élèves, ils ont une revendication, certes. Donc, si les élèves ont manifesté vraiment pour demander de reconstruire l'école, ça sont belles revendications à proposer. Même d'où que tout ça a posé comme revendication, ils ont déjà adressé. Parce qu'ils ont compté ça tout. Par exemple, Daniel Fignolé, lui-même, depuis l'année passée, et directeur de l'école lycée, ça, et les élèves, ils ont même mal visité, ils ont parlé de ça. Et il y a tout dans le journal 2 octobre qui se passe là dans la nouvelle liste. Dernière étape la franchie, côté appel d'offres la lancé pour reconstruire. Donc nous d'accord si nous sommes capables de faire passer des revendications. Mais des fois tout, il y a quitté les gens infiltrés dans le mauvais mouvement. Parce que j'ai un bon exemple qui est passé. Et du Paul est capable de témoigner de ça. Il y a un lycée Horacius Laventure dans Delma. Il y a un mouvement. Il y a trois mondes. Donc, Edipol était là, l'a suivi, parce que Edipol là lui-même, depuis 2015, il a accompagné Timnio sérieusement.
de faire rencontre avec eux, bah aux bons gens, morale, etc. Faut petit pour pas marcher avec petit taf qui est dans poche, pour pas flâner sous champ de masse aux heures de cours. Donc Edupol aider nous en pile dans ça. Et bien là Edupol garder le trois monde ça yo, yo en uniforme. Finalement gagne un nayo qui balayé. Yo un responsable l'école là la galate. Donc ça vient interpeller les policiers du poignon. Yo kembe trois monde ça ensemble non. Yo yo un petit groupe de trois. C'est là le questionner yo que c'est pas moun qui l'école vrai et pourtant en uniforme aujourd'hui à la là en uniforme dans la yo par contre est-ce que c'est bon élève est-ce que c'est mauvais élève donc c'est comme ça on te prend yo c'est trois boss maçons te sont travail yo et puis bon moun qui est le tête syndicaliste et puis qui habille yo qu'al font mouvement donc c'est et puis ça qui gagne causer a donc Sam Abdoula du monde pour mettre joindre responsable et du pour Abdouli pour capable confirmer Sam Abdoula c'est un syndicaliste entre guillemets qui vient débarquer, vient faire des marches pour la guerre. Tant que récemment, nous avons 4 qui étaient dans vraiment, et parce que nous avons fait un grand délit, à poser des actes qui ne répondent pas à affaires de l'école. Parce que l'autre l'école, c'est un jambouillé. L'autre professeur de l'école, c'est un jambouillé. Donc, il est au point de la radio. Il y a un monde qui a radio, il dit qu'il y a une vingtaine qui a arrêté. Et pourtant, tout le monde allait immédiatement en entendant ça, en tant que ministre. Vous voyez une équipe ministère à l'un commissariat. L'arrivée vraiment, ils jouent seulement 4 personnes qui sont élèves. Ils ont un pantalon et uniforme sous lui, mais ils n'ont pas un uniforme sous lui. Et puis ils n'ont pas un badge, ils n'ont pas un dépliant, ils n'ont pas un glisse élève. Donc c'est après, ils ont cherché, demandé qui l'école est, ils ont joué 4 vraiment, c'est élèves qui étaient dans le mouvement. Mais plus fort, ils ont arrêté, ils n'ont pas rien pour avec l'école du tout. 4 élèves se sont libérés, ils ont libéré depuis hier matin. N'a pris un coup de pause, restez branché. Madame, Monsieur, n'a pas appelé au cœur sous télévision nationale d'Haïti et qu'on a su journal mi-temps journée. Non sport, championnat national de D1, Racing Club, Haïtien Batfica, de Gaulle à 1 hier dimanche, là, dans le stade Silvio 14, dans l'occasion 10e journée, c'est retour compétition, ça. Vieux Lyon, retrouvé l'Inan, 6e position dans le classement. À l'étranger, championnat d'Italie, grâce à Mauro Icardi, Inter Milan dans le stade Giuseppe Maizza, bat Milan en goal à 0 hier dimanche là dans le cadre 9e journée compétition ça. Juventus Turin fait premier match nul. Plus de détails dans le micro Pierre Michel Pierre Gilles. Après Petit Gouave FC 3 goals à 1, Racing Club Haïtien fait une nouvelle victime qui s'est fait du cap haïtien dans le stade Lyon 14 dimanche 21 octobre 2018 là côté Vieux Lyon bat Ligue 2 goals à 1 dans l'occasion 10e journée c'est retour championnat national football première division 1. Après un beau début match de Vieux Lyon, Richard Pierre, dans la 42e minute de jeu, t'es le score pour Racing Club Haïtien. Peterson Joseph, dans la 50e minute, t'es marqué deuxième goal lent pour Vieux Lyon, avant que Stanley Bossy Joseph, dans le temps additionnel, t'es réduit écart sous pénalité pour Fika. Grâce à la victoire Silla, Racing Club Haïtien retrouve l'île dans le top 6 et clôture championnat première division 1. Je crois que nous devons être fait suivi. Et premièrement contre Mibale et contre ASC. Et c'est pas des faits vraiment qui étaient tellement affectés parce qu'on a travaillé sérieusement. Et c'est corriger les erreurs que nous commettons de sorte que nous arrivons à l'avant. Et ça a été le cas vraiment durant notre dernier match et pendant le match d'aujourd'hui. Mon image, c'est vraiment il tellement voulu aider l'équipe blanche pour aller vers l'avant, vraiment que peut-être les gens américains ont overdo it. Je ne comprends pas ça, mais l'essentiel, c'est mettre le jouer en façon que vous venez jouer habitude et jouer bien, de façon pour Racing qui a bénéficié. Vraiment, c'est sa vraie victoire là, sa vraie victoire ça peut-être pour un jour ou deux. Mais après, nous connaissons que, et avec Don Bosco, c'est un match sur le match. Nous-mêmes nous préparons pour ça, nous connaissons que ça capte dans notre bras, c'est vraiment nous-mêmes, on est avec moi à l'obo fixe, et vous jouez un match qui est capable, et qui pas pour le pas différent de ça que je dis là. Mais résultat, 10e journée au grand complet. AS Sud-Est bat Don Bosco 3 goals à 2. Victoire de Cosmopolite contre Petit Gouave 1-0. Real du Cap bat Tempête sous même score. Cavalli dominé Wanamet 1 goal à 0. AS Mibale fait match nul 0-0 avec Valencia. Et c'est même score entre ASC et Racing des Gonaïves. Le classement présenté comme ça. Premier Cosmopolite 20 points. Deuxième Akaye 19 points. Troisième ASC 17 points. Quatrième Real Hop du Cap 16 points. Cavalli 5e 16 points. Racing Club Haïtien 6e 15 points. À l'étranger, football, championnat d'Espagne, Real Madrid tombe la Cayli dans Santiago Bernabéu 2 goals à 1 face à Levante et descend dans 5e place classement samedi 20 octobre passé. Merengue yo cap vive un moment panique depuis après départ Cristiano Ronaldo,
t'es encaissé premier goal match là dans 7e minute de jeu par Luis Morales, club Granatos là, t'es doublé score 4 minutes après sous penalty par Roger Marti Salvador suite à deux erreurs de Raphaël Varane. Après un bel service de Benzema, Marcelo t'a réduit K à 2-1 et club Maison Blanche là pas jam qu'a remonté dans score. Troisième défaite si là en 4 matchs dans Liga, compliquée situation où l'Enopetegui davantage selon information qui parle un petit job li. De l'autre côté, FC Barcelone domine FC Séville 4-2 pour le consolider pour une place Liga. Felipe Coutinho 2e minute, Lionel Messi 12e minute de jeu, te mette match lan à 2-0 pour Catalan yo nan moins que yon quart d'heure. Et mi-temps est fini à Scossa, n'avantage FC Barcelone. Au retour des vestiaires, Luis Suarez 63e minute de jeu sur penalty, Ivan Rakitic 88e minute, te marqué l'autre des goals FC Barcelone yo. Alors que Pablo Sarabia 78e minute, Luis Muriel 90e, te marqué pour FC Séville. Mauvaise nouvelle match ça, c'est Lionel Andrés Messi qui le blessé pour 3 semaines après le fin mal tombé sous bras d'autre lit après seulement un quart d'heure. L'autre information, c'est Inter de Milan qui remportait derby milanais à 1-0 grâce à Mauro Icardi dans la 90e minute de jeu hier dimanche 21 octobre 2018 là dans le CP Meazza Stadium là dans match décalé 9e journée Serie A italienne là. Victoire si là permet Inter Riccio faire 5e victoire de suite dans la compétition et reprendre 3e place championnat avec 19 points. De l'autre côté, Juventus de Turin fait premier match nul dans championnat d'Italie 1-1 contre Genoa dans Allianz Arena. Cristiano Ronaldo et Luis Coa dans 18e minute de jeu après une frappe enroulée de Cancelo. Ballon a été dévié par un défenseur genois et Ronaldo a marqué pour Turinoyo. Mais le terrain brésilien Daniel Bessa a égalisé pour Genoa. Dans la page internationale, plusieurs manifestations déroulées dans la ville Brésil pendant le week-end. Yon bo partisan travailleur Fernando Haddad et partisan extrême droite Jair Bolsonaro. On suit. Dans quelques jours, c'est prêt à l'organisation deuxième tour présidentiel dans le pays Brésil. Dans la rue Rio, tant qu'on a toute l'autre ville brésilienne, yo, caricature ancien président brésilien, Lula, t'es affiché tout partout. Après partisan candidat travailleur Fernando Haddad qui était défilé pendant le week-end contre candidat extrême droite là, c'est tout supporter Jair Bolsonaro yo, qui était exprimé déception yo, contre parti sous pouvoir pendant dernier temps ça yo. Alors qu'une enquête sous campagne faux information sur réseau social qui visait parti extrême droite là, Jair Bolsonaro continue à avancer dans le sondage. Le candidat extrême droite là fait 59% voix. Semaine passée, à journal brésilien Folha Sao Paulo révélé qu'une entreprise qui a soutenu Bolsonaro qui paye 12 millions d'euros, qui évalue à 3 millions d'euros pour faire voter en masse par électeur message contre parti travailleur sur WhatsApp. Parti travailleur a dénoncé un fraude électoral. Madame, Monsieur, c'est là que nous mettons en bout à journal mi-temps journée pour aujourd'hui. Informons, c'est toujours pour nous un plaisir. Bonne journée et surtout, restez branchés Télévision Nationale d'Haïti.